En piste pour le festival Tango Argentin, jusqu'à lundi, il propose des bals, shows, concerts et stages chaque soir. Et samedi après-midi, des démonstrations et initiations se dérouleront dans le quartier Louis. Reportage Christopher Krill, Marc Debode et Nicolas Sénard. Entrée dans la danse, ce jeudi débute la 4e édition du Brussels Tango Festival. Cette année, de nombreux couples de professionnels participent à l'événement. Dans le cityscape de la Poison d'Or, les stars du tango se mêleront donc aux amateurs. Découvrir le charme de cette danse et la beauté du théâtre du Vaudeville, c'est l'ambition d'un festival qui se veut glamour, sensuel et surprenant. Cette année, 7 couples vraiment prestigieux vont venir danser pour le festival. Un orchestre fabuleux, le Sexteto Hyperion, qui vient d'Italie. Et pour le public bruxellois, pour la première fois, nous faisons une sorte de mini-festival off qui s'appellera l'action Premier Tango à Louise. C'est tout le samedi après-midi du 5 avril. On va offrir des initiations de tango pour des couples, mais toute l'après-midi dans le cityscape, on va offrir un concert gratuit et il y aura des couples qui vont danser dans la rue en plusieurs points du quartier Louise. Cet événement participe à la redynamisation du haut de la ville, objectif pour lequel travaillent en partenariat le festival et l'association des commerçants, la SBL Bruxelles-Louise. L'association des commerçants du haut de la ville a voulu intégrer et offrir aux commerçants une action spécifique tango. Alors l'objectif, c'est d'offrir aux commerçants du haut de la ville la possibilité d'offrir à leurs clients des séances d'initiation qui vont leur offrir. Il suffit d'aller auprès des commerçants leur demander une invitation. Une culture à découvrir jusqu'au 7 avril avec à la clé, pourquoi pas, le plaisir d'effectuer ses premiers pas de tambour.